Je m'appelle Flora Vautier, j'ai 18 ans et je pratique le tennis de table. J'ai commencé la GRS de mes 4 ans à mes 10 ans et ensuite j'ai commencé en 2017 le tennis de table. Je vivais pour la GR quoi, enfin, moi j'adorais ça, j'en parlais tout le temps. Pour moi c'était vraiment une nécessité ouais, d'être là à tous les entraînements, à toutes les compétitions et tout parce que c'était... Enfin, ça a été ma plus grande passion et en fait, quand je rentrais chez moi, j'en faisais encore et tout. Vraiment, j'adorais. J'avais 10 ans, donc le 2 octobre 2015, quand j'ai eu cet accident de voiture. Après, j'ai quand même assez vite récupéré des sensations où je sens pas toutes mes jambes, mais je sens quand même beaucoup mieux qu'avant, quoi. Et j'ai aussi récupéré de la mobilité. Mais au final, je suis paraplégique. Moi, je me suis sentie assez coupable quelque part pendant plusieurs mois. Parce que de l'avoir comme ça, devoir abandonner sa passion, enfin, à sa place, c'était vraiment horrible. Enfin, j'avais du mal à m'imaginer à sa place. Je ne sais pas comment j'aurais fait. Après son accident, elle s'est relevée très vite, même trop vite, je pense. Ça a été vraiment perturbant pour nous parce qu'elle s'est vraiment... tout de suite relevée, elle a voulu direct retrouver une activité, vraiment rien lâcher et c'est vraiment très fort ce qu'elle fait. Au début, forcément, je vais pas dire que c'était super facile, que je suis sortie de l'hôpital ou trop bien, je suis en fauteuil, pas du tout, mais je l'ai pas mal vécu et en fait, je me suis dit, bon bah, on va vivre la vie comme ça. Le plus difficile au début, c'était de plus du tout refaire de GR. C'était plus difficile que de ne pas remarcher. J'ai commencé le ping-pong en 2017, on va dire. On m'en avait parlé au centre de rééducation, j'aimais pas du tout ça. Et en fait, en commençant les entraînements avec lui, il m'a vraiment fait découvrir ce que c'était ce sport. Et du coup, c'est comme ça que j'ai continué et que j'ai aimé. Le sport, ça s'est imposé à elle et il s'est tombé sur le ping-pong. Pour moi, c'est très 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 important d'avoir une bonne relation avec l'entraîneur. Si je rigole pas ou quoi pendant la séance, qu'il n'y a pas une bonne complicité, une confiance, pour moi c'est impossible déjà de ne pas me livrer à mon entraîneur. Sans cette relation en gros et sans cette entente, je pourrais pas avoir le niveau que j'ai aujourd'hui et je pourrais pas autant progresser et autant prendre de plaisir. Toujours souriante, motivée, bien évidemment. Un petit peu râleuse quand même, voilà. Mais et puis dans le ping, elle est hyper. Bon, faut savoir qu'avant elle faisait de la GRS. Ouais, que la GRS, c'est un monde qui est quand même assez difficile. On est beaucoup dans la répétition des mêmes gestes. Ça pourrait coller d'ailleurs au tennis de table, sur certains points. Mais du coup, elle s'impose une rigueur qui est des fois beaucoup trop importante, puisqu'on n'est pas sur, quelque chose dans le tennis de table d'hyper précis. C'est pas toujours la même chose, quoi. Voilà, on a aussi un adversaire et on est obligé de s'adapter à l'adversaire. Voilà. Donc par moment, elle est un peu trop dure avec elle. Voilà. Il faudrait qu'elle arrive à se détendre un petit peu, mais je suis sûr que ça va venir. Je déteste perdre. Déjà, au début, ça m'énervait beaucoup, quoi. Donc je fais beaucoup de prépa mentale parce que en fait, ça peut me freiner au lieu d'être un élément motivateur, on va dire. Pour moi, c'est une des choses les plus importantes, le mental dans le sport. Parce que c'est bien beau d'avoir la technique, de faire des heures et des heures d'entraînement, mais si le mental n'y suit pas et qu'en compétition, au final, t'es nul, ça sert à rien de faire autant d'entraînement. Donc c'est une des choses les plus importantes. Flora, c'est une force de la nature depuis toujours. Et elle a toujours été une grande compétitrice. C'est elle qui souvent nous poussait un peu dans le groupe. Elle était toujours très focus. S'il y avait quelque chose qui se passait mal, c'était pas grave, ça continuait.
Bah, du coup, on fait beaucoup de boxe parce que ça, on dirait pas, mais ça ressemble beaucoup au ping. Déjà avec l'équilibre, avec la tenue du fauteuil. Et c'est trop bien parce que déjà, ça aide à se défouler. Et après, on fait beaucoup au niveau de le gainage, les dorsaux, tout ce qui est vraiment le haut du corps, quoi, pour se renforcer et être plus stable à la table. Voilà, comme ça. Allez, on enchaîne. Allez, encore, lève les épaules. Et là, du coup, je suis à STAPS Anime aussi, et ça se passe bien, où j'ai vraiment là, des horaires aménagés, où je fais ma première année sur 2 ans. Et si je suis en compétition pendant les partiels ou quoi, moi, je les passe après. Donc, tout est vraiment très, très bien étudié et très, très bien adapté à mes emplois du temps, à mes compétitions. Donc, ça, c'est cool. Que Flora soit en situation de handicap avec sur fauteuil roulant, ça apporte beaucoup de choses pour le groupe d'une manière générale. Ça apporte une diversité de réponses par rapport à une contrainte dans un projet chorégraphique. Là, les étudiants doivent réaliser une chorégraphie et donc du coup, la contrainte va être différente, va être variée. Donc, ils vont se poser des questions, ils vont essayer de sortir de leur zone de confort, de trouver d'autres mouvements, d'autres principes de composition. Donc, c'est une vraie richesse. J'aime bien en fait le fait de danser avec le fauteuil. Au début, j'avais un peu de mal ou j'en avais fait un peu dans mon centre de rééducation parce que je ressentais pas du tout les mêmes sensations que j'avais avant à la GRS. Et puis là, quand j'ai vu qu'il y en avait à STAPS, je me suis dit que j'ai quand même grandi et tout, donc j'allais un peu me libérer et au final reprendre du plaisir dans les chorés, dans les inventions, les idées ou quoi. Quand on m'a dit que j'avais quand même un potentiel dans l'handisport, que j'ai commencé à faire des compétitions, qu'au début je commençais à faire des résultats donc en France. Et là, je me suis dit, on va essayer d'aller affronter les étrangères. Où là, en fait, je me suis clairement pris une claque dès le début où je n'ai pas gagné un set de la compétition. Et ça a été super dur. Et c'est là, en fait, que je me suis dit, si je veux faire les Jeux et je vais me donner l'objectif de faire les Jeux, il va falloir que je travaille et que du coup je parte de chez moi, que je change d'entraîneur, que je change en fait mon petit cocon familial et que j'aille m'entraîner dans une autre ville et prendre mon indépendance et charbonner quoi. Mais quelque part c'était un chemin logique pour elle et ça m'a semblé juste naturel et c'était beau de la voir prendre son envol et vraiment aller au bout de ses objectifs. J'ai été porte-drapeau aux Jeux européens de la jeunesse en 2022. Ça, c'était très, très fort et émouvant. La plus grande fierté, c'est qu'on représente notre pays. Donc, sur les compétitions ou quoi, on ne joue pas pour notre club, mais on joue pour notre pays. Donc, c'est encore plus valorisant. Mon objectif ultime, on va dire, c'est de gagner les Jeux. Et voilà, c'est déjà bien. Alors pour le moment, j'en suis très loin, clairement. Mais en fait, j'ai pas envie de me poser trop de questions. Déjà, c'est dans plus d'un an et demi. Et je veux faire beaucoup, beaucoup de compétitions pour, à la fin de l'année, essayer de rentrer dans le top 10. Parce que je sais que la qualif va vraiment être très compliquée. Mais avant les Jeux, il y a un tournoi de qualification qui s'appelle le TQP. Je
pourrais peut-être aller à cette compétition pour me qualifier. Mais là, je me pose vraiment pas trop de questions. Je veux faire plein de tournois pour gagner des filles qui sont bien classées, moi gagner des points et rentrer dans le classement, mais plus haut. Quoi. Je suis très très fière d'elle, vraiment. C'est une progression admirable et je pense que tout le monde devrait prendre conscience que c'est un très beau parcours et qu'elle peut aller encore beaucoup plus haut. Le chemin va être très 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 long, j'en suis consciente, mais c'est ça aussi qui est motivant et bah, quand au final on y arrive, on se dit bon bah on a fait tout ça pour bah, c'est une fierté quoi. Quand elle est passée au ping-pong, j'ai vraiment vu à quel point elle était très sérieuse dans ses objectifs. Et c'était plus la même Flora. Là, elle savait vraiment pourquoi elle le faisait. Et c'est magnifique. Et je pense que c'est un exemple dans tout son entourage. Tout le monde admire Flora.